Moi, je t'avance. Ok, attends, je suis sûr qu'on est pas bon. Est-ce qu'on arrive? Je commence. Ouais. Un, deux, trois. Alors, la compagnie Uranium. Ça va. Quoi? Faut que tu te dises. Ah! Alors, la compagnie Uranium. Bonne aventure! On fait équipe pour vous présenter le quartier gay et nous nous appelons maintenant. Urbo! La station de métro Baudry, au cœur du village, est le premier bâtiment au monde à arborer les couleurs du drapeau gay. Le village est situé entre les stations de métro Bois-Rilcamp, Baudry et Papineau. Du côté des médias, dans le village, on peut retrouver les studios de la société Radio-Canada, TVA et un peu plus loin, les studios de Télé-Québec. Le village gay de Montréal est l'un des plus grands quartiers gays du monde. D'abord un quartier pauvre, faisant partie du quartier centre-sud de la ville de Montréal, la zone actuelle du quartier gay a été progressivement occupée par la communauté gay et lesbienne à partir des années 1970, mais davantage au début des années 1980. En 1970, plusieurs descentes de police sont survenues malgré la décriminalisation de l'homosexualité afin de freiner le mouvement LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, qui se propageait. Les actions gouvernementales poussèrent la communauté grandissante à se regrouper spécialement dans le quartier et à rechercher des espaces leur offrant une sécurité. C'est ainsi que leur quartier gay est né. Putain. En 1969, le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau a adopté la loi Omnibus qui décriminalisait l'homosexualité. Alors voici le magazine Fugue. Fugue est un magazine mensuel qui est canadien, distribué à partir de Montréal au Québec. Depuis 1984, Fugue est à la fois un témoin de l'évolution de la communauté gay et lesbienne et le porte-étendard de plusieurs de ses aspirations. À l'origine d'un magazine des sorties et d'activités, Fugue s'est progressivement penché sur quantité de dossiers ayant trait à des sujets aussi divers que la conjugalité, les questions d'identité, l'argent rose, la vie dans les bars, la santé gay, le cinéma et la culture en général, le sida et les jeunes, pour ne donner que quelques exemples. Les Hand-Games mondiaux, qui ont eu lieu à Montréal du 29 juillet au 5 août 2006 sous le nom Rendez-vous Montréal 2006, furent un événement sportif et culturel d'envergure internationale organisé par la communauté gay et lesbienne. Le plus grand événement sportif à se tenir dans la ville depuis les Jeux olympiques d'été de 1976. Depuis ce temps, certains organismes tels que Fierté Montréal embellissent la vie du village. Fierté Montréal est un organisme à but non lucratif qui est dirigé par des associations de LGBT. La parade estivale ainsi que toutes les autres composantes de celle-ci sont organisées par cet organisme, Fierté Montréal. En 2007, s'est créé Célébration LGBTA Montréal, un nouvel organisme à but non lucratif qui a organisé fièrement la journée communautaire et le défilé gay et lesbien de Montréal les 28 et 29 juillet 2007. Cet organisme se veut maintenant dans le quartier gay afin de soutenir ses résidents tout en les amusant. Alors voici la capsule alimentation de notre émission aujourd'hui. Alors voici le resto du village, un restaurant hyper chic en fait, familial, avec 17 sortes de poutine, ouvert 24 heures sur 24, des déjeuners 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les gens qui vont sortir au club. C'est un resto à ne pas manquer.
Le Club Sandwich se restaure au décor rétro populaire pour les fêteurs qui peuvent y consommer dîner et même déjeuner 24 heures sur 24 après leur soirée en attente que les métros rouvrent leurs portes. Leur Club Sandwich est, ma foi, exquis. Le Café Milgram est un petit restaurant où règne une atmosphère hétéroclite et branchée et où l'on peut déguster des sandwichs chantés, des desserts gloutons et des drinks colorés. C'est une excellente attraction au cœur du village. Pour la capsule alimentation, nous avons décidé d'essayer le Tim Hortons du village. Alors les Timbits, vu que Hortons du Versailles sont reconnus pour leur saveur exquise. C'est terrible. Alors, pour les clubs et pour les cabarets, alors voici le cabaret Mado. Alors, c'est un cabaret de drag queen hyper connu, hyper fancy, hyper kitsch. C'est drôle, c'est amusant, c'est un endroit, l'endroit préféré du village gay et je le recommande pour tous parce que, ma foi, c'est magique comme ambiance. Oui. Son créateur, sa créatrice, Madou Lamotte, est reconnue à travers tout le pays pour son talent en tant que drag queen. Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong? Let me fix that. C'est un endroit qui est présentement en train de mourir un petit peu. Ah ouais? Comment tu peux marquer? Est-ce que tu as vu des commerces ouverts, florissants et en forme et en santé? Tout ferme dans le village. L'été, les terrasses vont attirer une minorité de clients de l'extérieur. Et vous êtes des étudiants, vous savez, depuis les carrés rouges, printemps érable, vous avez fait fuir les gens du village. Oui, parce que les gens disent, si on va se stationner, on va se faire poquer nos voitures, on va se faire virer à l'envers, on va se faire vandaliser, on va être vis-à-vis d'une manifestation qui va nous encercler pour nous dire, vous nous devez une contravention, bien dire le vrai mot. Les bébés boomers, ce que je suis, on allait manger dans les restaurants, on allait prendre des verres dans les bars. On n'avait pas ce qu'on appelle un téléphone intelligent. On ne se chattait pas. Vous savez à peu près combien d'années les chats, combien d'années les tweets, les ci, les ça. Vous autres, vous allez porter à vous envoyer un chat. Vous dites, ah, à ce soir, c'est chez Claudie, c'est chez Sylvie. Et on amène tout chacun notre six-pack, on a du fun là, on s'amuse. On joue à des jeux de société, on joue au Kinect, ci, ça, ce que je connais pas, ce que j'ai pas, je ne veux pas. Mais vous allez faire des parties de groupe. Vous allez à l'occasion aller dans les endroits de Sky, Unity. Vous allez prendre un verre. Vous allez dire, ah, ben
vous allez espacer vos visites dans les endroits. J'espère que tu m'enregistres. Oui, j'enregistre depuis tantôt. Okay, moi, je suis connu depuis déjà 10 ans. Le restaurant aura 20 ans cette année, en septembre. Et même en octobre, mon renouvellement de bail se faisait en décembre. Je ne savais pas si je renouvelais. Parce que l'année passée, j'ai été obligé de reprendre de l'argent personnel, de réinjecter 25 000 $ de mon argent dans mon commerce pour être capable de passer l'hiver à payer mes employés. C'est à ce point-là. Même quand vous direz que les rues sont pleines d'été, il y a des boules roses, c'est bien le fun, il y a quelques spectacles de Tessie Queen, il y a du monde au cabaret chez Mado. Même le cabaret chez Mado, depuis déjà 2 ans l'hiver, les lundis sont fermés. 24 heures. Le lundi, c'est fermé. On n'avait jamais vu ça avant. Depuis le fameux printemps érable, la clientèle a baissé, l'achalandage a baissé. Ça dépend pas juste des étudiants. Ouais. Rebecca, tu me poses une autre question. Parce que j'ai toujours encore élaboré sa main. Est-ce important d'avoir un village gay dans une ville? Un village. Moi, je suis gay, ça fait 53 ans, puis je vais me promener sur la rue, jamais tu vas me dire que je suis gay. Tu sais, gay, c'est quoi ça être gay? C'est d'avoir une différence d'opinion. Puis dans le lit, ce que tu fais, c'est ce que tu voudras, puis ce que tu voudras, c'est pas mon problème. C'est pas son problème à elle. Moi, je croyais que c'était peut-être ta blonde. Fine, j'étais content pour ça, mais j'ai pas mon dire. Cartilio, on a-tu vraiment besoin? Parce que moi, rendu au coin de Berry, est-ce que j'arrête de marcher parce que l'autre bord, ça peut être dangereux et c'est pas de mes frères? Non. Non. J'arrête pas à Chambaud dire « Oh! Toi, t'arrêtes là! » Non. Non. Le quartier gay, là, c'est comme la petite Italie, c'est comme le quartier grec, le quartier italien. Il arrête tout et il commence tout. Tu as regardé les commerces qui sont fermés? C'est pas beau. Les villes. Nos villes ne subventionnent pas, il faut que les propriétaires se responsabilisent et que les propriétaires fassent leur devanture de commerce. On pose quoi du quartier? Le Hype, le Club Sandwich, l'ancien Club Sandwich qui est sur le point, c'était Milsa, le restaurant Milsa, qui ont tout enlevé les affiches parce qu'ils se mettent en rénovation, ils sont en rénovation. Il a vu qu'il n'y avait pas d'argent à faire dans le quartier, il y a 5 restaurants. C'était son 6e Milsa. C'est ça le quartier. C'est quoi le quartier? Club Sandwich où il y a des clubs, c'était là. Moi, je m'affiche pas comme gay. J'ai la banderole gay. Fine, j'accepte tout le monde. Au coin de René Lévesque, il y a des condos. Je vois les petites madames arriver avec le petit ventre. Puis un an après, ils ont accouché. Puis là, je vois grandir les petits enfants. Regarde, tu vois là, c'est mix. Ça va toujours être mix, mais je vais toujours accepter tout le monde. Décrivez l'ambiance du village, ses attractions. 2 mots. 3. Plat et dolle. Et quoi? Dolle. 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 Tu sais, quand on dit mot, tu es dolle. Que c'est dolle. Tu comprends l'expression dolle? Dolle, on n'entend pas ça, ça arrive, non? Non, ça, on n'est pas à Montréal. Plat et. Drabe, ça dit quoi? Pas de couleur, pas de vie, ouais, ouais. Sans vie. C'est ça du quartier. Sans vie. Premièrement, encore cet hiver, avec tout ce que les gens disaient, que les gens avaient peur de sortir après 8 heures le soir quand il faisait noir, de se faire tabasser, frapper. On a fait encore les journaux tout l'hiver, on a fait TVA, on a fait LCN. On voyait apparaître les gens qui un reportage qui disait qu'ils s'étaient fait frapper pour rien. Les gars se précipitaient sur une personne qui disait pas de tête. Je vais te tabasser, mais je vais te taper dans ta tête. Donc moi, je ne m'entends pas m'afficher, je ne m'afficherai jamais. J'accepte. Bien, c'est vrai. Mais moi, c'est vivre et laisser vivre. Mais le quartier, là, c'est pas très rose. C'est ça. Que vis ta vie, fais-le correctement. Respecte les gens avec qui tu es. Moi, c'est vivre et laisser vivre, mais je respecte énormément les gens. C'est d'être gentil avec les gens, c'est d'aimer faire ce qu'on fait. Tu sais, quand j'ai envoyé des bobages, j'aurais dit, bon, qu'est-ce qu'ils font ça, les deux petits bons? Les deux petits bons viennent à prendre mon restaurant en photo. Mais, moi, je suis fin avec tout le monde. Puis, souvent, le retour me revient parce que les gens sont gentils avec moi. C'est ça qui est important.
faut jamais oublier ça, d'être gentil. Ouais. Parce que c'est jamais, si t'es pas gentil, la journée que quelqu'un sera pas gentil avec toi, qui te rendra bien au point de vue verbal. Parce que ça fait beaucoup plus mal le parler que la claque, des fois. La claque, tu t'en mets, mais ce qui t'a été dit, des fois, te reste longtemps. Ouais. Je laisse là-dessus. On peut voir que le quartier, le village Guy de Montréal, oh, des points tellement positifs, c'est coloré, il y a de la vie, il y a des restaurants, on peut tout y voir. Mais malgré certaines misères... Il reste que le quartier gay est un peu en décrépitude et c'est nous la relève. C'est nous qui devons nous donner une poussée et lâcher nos ordinateurs, nos cellulaires et venir au quartier gay, encourager et vivre. C'est ça, vivre. Venez visiter avec vos amis et votre gang. C'est super le fun. C'est super beau. Et sinon... On vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine, la compagnie Urbo de Uranium. Et bonne aventure! Allons maintenant analyser le quartier chinois, un endroit, ma foi, très positif, je crois. On s'est bien entendu. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Mets les questions ici. Sarek. Ben où mets les questions? Faut bien que je les aille. Les Halte Games mondiaux qui ont eu lieu à Montréal le 29 juillet. Les Halte Games mondiaux qui ont lieu à Montréal du 29 juillet au 5 août 2006 sous le nom Rendez-vous. Les Halte Games. Puis tu peux essayer de parler plus québécois à la télé. Les Halte Games mondiaux. Ouais, les Halte Games. Les Halte Games mondiaux. Les Halte Games. Ok, ça fait manquant. Oh my god! Dans une atmosphère hétéroclite et branchée, on peut y déguster... Non, je dis la mort. Au café 1000 grammes, il y a une atmosphère... Ah, oh, comment je fais ça, man? Le café 1000 grammes est un petit restaurant où l'on peut déguster... Ah, oh, sacrément, les bruits de chaise, ça va-tu? On peut voir que le quartier, le village gay de Montréal... Des points tellement positifs, c'est coloré, il y a de la vie, il y a des restaurants, on peut tout y voir. Mais, malgré certaines misères... Il est...